C'est évidemment du café Hansen, au cœur du Languedoc-Roussillon, que je vous présente ma chronique d'écran local. On peut se demander ce qu'est la culture, et notamment à Languedoc-Roussillon. Au départ, la culture, c'est celle agricole d'une terre que l'on fait valoir. S'y greffent ensuite les cultes, rendus aux divinités protectrices des activités humaines. Ces cultes sont rendus avec des textes, récités et transmis, puis écrits. Des chants et musiques, des danses, tout cela avec des décors, des costumes, des maquillages élaborés pour l'occasion. C'est ainsi qu'au cours des générations se transmettent des coutumes dont le sens est oublié, mais qui n'en constituent pas moins un socle pour de nouvelles créations. Pays de montagne et de littoral, notre Languedoc-Roussillon respire de ses influences anciennes. Une devinette. Qu'y a-t-il de commun entre une soupe de poisson et un assemblage de bois flotté du plasticien Patrick Chappert-Gaujal? Vous donnez votre langue au poète? Bien entendu, les deux proviennent de la mer, poisson et bois flotté. Mais les aromates saupoudrés dans la première et les couleurs ajoutées, les bois placés comme des totems dans les assemblages de Chappert-Gaujal témoignent également de l'ouverture vers l'extérieur. Tradition maritime et commerciale de nos contrées. Patrick Chappert-Gaujal, né à Bédarieux dans l'Hérault et vivant à La Franquie dans le département de l'Aude, village de l'aventurier Henri de Montfred, est significatif de cette culture du Languedoc. Ses œuvres sont présentes un peu partout dans la région, à Narbonne, à la maison de la formation, et dans les cuisines des grands buffets, à la mairie de Leucate, à l'hôpital La Péronie de Montpellier, et bien sûr, dans sa ville natale de Bédarieux. Œuvres présentes un peu partout dans le monde, jusqu'en Afrique du Sud. Il est temps de se quitter, et comme le dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté.